plusieurs problèmes qui sont apparus, c'est que la crèche, c'est l'affaire Winan, c'est un bien privé qui appartient à DCB. Ça n'appartient pas à la commune à l'heure actuelle. Et donc, on a posé, lors de la réunion d'information, il y a 3 semaines ici même, la question au bourgmestre en lui demandant, la ferme, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce que vous avez déjà acheté la ferme à DCB? Est-ce que vous avez déjà voté au niveau communal des subsides pour la rénovation de celle-ci? Ou est-ce que vous avez déjà prévu des subsides pour la création de la crèche ou votre activité au sein de la ferme? Et, de nouveau, c'est passé à la télé, tout le monde l'a bien vu, le bourgmestre s'est un peu énervé, il nous a dit, mais des communes de 25 à 30 000 habitants n'ont pas l'argent pour créer des crèches ou des maisons de repos. Ce sont ses propres paroles, et donc, il ne faut pas croire, nous n'aurons jamais de crèche ou autre chose dans la ferme Winan. Alors, un autre problème, c'est que DCB compte d'abord faire tous ses bâtiments, et puis, quand tout sera terminé, s'occuper de la ferme Winan. Ça a été également clairement dit. Et donc, il faut se poser la question de dans quel état sera cette ferme. On sait très bien tous que c'est une zone marécageuse et que beaucoup de caves chez nous ont tous des ponts parce que c'est fort humide. La ferme va être à l'abandon, la durée des travaux, on parle de 15 ans, et donc pendant 15 ans, on va la laisser se détruire. Les rédacteurs du RU s'en sont bien rendus compte, et ils ont mis que pendant la phase de transition, pendant la phase des travaux, les 15 ans en question, la ferme risque de... on pourrait y retrouver du vandalisme et de l'occupation sauvage, donc on parle de squatters dedans. Tout ça dans la ferme Winan. Et qu'il faudra prévoir un dispositif de sécurisation. Donc on va devoir mettre des gendarmes ou des vigies devant la ferme Winan pour empêcher qu'elle ne soit détruite. Et donc, moi je pense que dans 15 ans, quand la ferme elle sera assez abîmée, que la toiture elle sera passée à travers, qu'il y aura la mérule dans les caves et tout ce qu'il faut, la seule chose que le promoteur va dire, ben, ah désolé, la ferme elle est foutue, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est la raser. Et on va retourner, on va retrouver quoi, à votre avis? Un building. De quel étage? Ben, de nouveau, un R plus 3 qui sera là en bordure de route et qui sera situé ici avec une vue directe sur tous les voisins de ce camp, ce qui est quand même très sympa pour eux.